faut que je vous raconte une cuite merveilleuse. On m'avait invité à un mariage, une noce, dans un endroit pas loin d'ici qui s'appelle Cana. Cana. C'est pour ça qu'on dira les noces de Cana. On m'avait donc invité. Je suis arrivé. Le repas de noces était prêt. Toutes les bonnes choses à manger déjà servies. Et aucun invité n'était assis à table. Ils étaient tous debout, à taper du pied par terre, à blasphémer. Le père de la mariée se tapait la tête contre le mur, sans s'arrêter. Mauvais. Mais qu'est-ce qui est arrivé, je demande? Oh, un malheur! Le marié s'est sauvé? Oh non, le marié, c'est celui qui blasphème plus que les autres! Mais qu'est-ce qui est donc arrivé? Oh, un malheur! Nous nous sommes aperçus que tout un tonneau de vin, une barrique préparée pour le repas de noces, a tourné au vinaigre! Tout le vin tourné au vinaigre. Quel malheur! Marié arrosé, marié fortuné, mais marié baigné au vinaigre, c'est le guignon assuré. Autant la chasser tout de suite. Tout le monde pleurait. La mère de la mariée s'arrachait les cheveux. La mariée pleurait. Le père de la mariée se tapait la tête contre le mur sans s'arrêter. À ce moment-là, entre dans la salle un jeune gars, tout jeune, qui avait pour nom Jésus. Et pour surnom, Fils de Dieu. Il n'était pas seul, non. Il était avec sa mère, un beau brin de femme qu'ils appellent la Madone. C'étaient des invités de marque. Et ils arrivaient avec juste ce qu'il faut de retard. Dès que Madame la Madone a appris dans quel pétrin de bordel il s'était mis à cause du vin qui avait tourné au vinaigre, il s'est approché de son Jésus, fils de Dieu, et fils aussi de la Madone, et lui a dit: mon petit, toi qui es si bon, toi qui fais des choses merveilleuses pour tout le monde, si tu voulais bien tirer ces pauvres gens du pétrin de bordel qui les accable. Dès qu'elle a commencé à parler, tous ont vu naître et fleurir sur les lèvres de ce Jésus un sourire si doux, mais si doux, que si tu faisais pas attention, les rotules de tes genoux te tombaient d'émotion sur les gros orteils. Doux qu'il était, ce sourire. Dès qu'elle avait fini de parler, ce jeune homme lui a donné un béco sur le nez à sa maman. Puis il a dit: mes amis, est-ce que je pourrais avoir 12 sons d'eau claire et pure? On a les clairs? Tac! Voilà 12 sons alignés devant moi. Et moi, à la vue de toutes ces tours en une seule fois, je me suis senti mal. J'ai cru que je me noyais, créneau. Puis, il y a eu un silence. On se serait cru à l'église au moment du Sanctus. Et ce jeune homme,
s'est frotté un peu les mains. Il a craqué un peu ses doigts. Puis, il a levé une main. Mais avec trois doigts seulement, parce que les deux autres, il les tenait pliés. Il a commencé à faire des signes au-dessus de l'eau. Des signes que seuls les fils de Dieu, ils savent faire. Moi, j'étais juste au-dessus. Et comme je l'ai dit, l'eau me fait de l'effet rien qu'à la regarder. Et je regardais pas. Je restais là appuyé, sur le côté, un peu triste. Quand tout à coup, je sens arriver à mes narines un parfum qu'on aurait dit de raisin écrasé. Pas moyen de s'y tromper. C'était du vin. Oh ! Quel vin ! M'en ont passé une cruche. J'ai trempé mes lèvres. J'en ai bu une goutte. Oh, ça du purgatoire. Quel vin. Moelleux à peine. Légèrement amer sur le fond. Rien pétillant. Légèrement scellé dans le milieu, avec des reflets rouges garance et des étincelles partout. Ni fleurs ni mousse. 3 ans d'âge au moins. Une année en or. Il vous glissait par le gosier en gargouillant jusque dans l'estomac. Il se répandait doucement et restait là. Tranquille. Puis tout à coup, cloup! Il remontait par le gosier en faisant des roulades. Il arrivait jusqu'aux narines et répandait son parfum tout autour. Au point que si quelqu'un était arrivé, même à cheval, au galop, c'est le printemps, il aurait crié. Oh, quel vin! Et tout le monde applaudissait Jésus! Bravo Jésus! Tu es divin! Et la Madone, sa maman à lui, elle était aux anges, toute contente et orgueilleuse aussi d'avoir un fils aussi doué pour changer l'eau en vin. Un peu après, on était aussi ivres. Fin sous. Il y avait la mère de la mariée qui dansait. La mariée qui était tout en joie. Le marié qui faisait des chants. Le père de la mariée qui se tapait la tête contre le mur sans s'arrêter. Mauvais. Personne ne l'avait prévenu. Jésus, lui, il était monté sur une table. Debout, il servait à boire à tout le monde. Buvez, les amis. Saoulez-vous. Prenez une bonne cuite. Ne remettez pas plus tard. Prenez du bon temps. Et tout à coup, il s'est souvenu de sa mère. Madone. Oh, sainte femme. Maman. Je vous avais oublié. Excusez-moi, prenez-en une goutte, vous aussi. Buvez-en une goutte. Non. Non, mon fils. Merci. Je te remercie. Mais je peux pas boire. Je n'ai pas l'habitude du vin. Il me fait tourner la tête. Et après, je dis des bêtises. Mais non, maman. Il peut pas te faire de mal. Il te rendra seulement un peu gai. Il peut pas te faire de mal, ce vin-là. C'est du vin pur. C'est du bon vin. C'est moi qui l'ai fait. Et dire qu'il y a encore de tristes canailles
qui viennent raconter que le vin est un péché, une invention de Satan. Est-ce que tu crois que si le vin était une invention de Satan, Jésus, il en aurait donné à sa maman? Sa maman à lui? Et moi, je vous dis que pour ceux qui ont été bons et honnêtes sur la terre, le ciel pour eux sera tout de vin.